Bonjour, bienvenue sur l'Argus.fr pour l'essai de la BMW 218i Active Tourer, le premier monospace compact de BMW. Cette série 2 familiale mesure 4,34 m, c'est 3 cm de moins qu'un Scénic, donc ça reste un véhicule très compact. Et nous avons affaire ici à une finition sport avec des jantes de 17 pouces. Malgré son appellation 218i qui laisse penser qu'il s'agit d'un moteur 1,8 L, nous disposons en fait d'un petit 3 cylindres 1,5 L turbo de 136 chevaux. Le hayon électrique permet d'accéder à un coffre de 468 litres, ce qui est un volume correct, mais avec une modularité très évoluée. On trouve par exemple un double fond et des petits boutons électriques qui permettent de rabattre la banquette en trois parties entièrement à plat. À l'arrière, on est très bien installé. On a assez d'espace aux jambes, une bonne garde au toit, des rangements un peu partout avec des grandes contre-portes, un accoudoir central avec porte-gobelet, magnifique. Et on peut aussi incliner les dossiers de banquette, les trois parties, donc ça c'est bien, ou faire coulisser la banquette sur 13 cm. À l'avant, nous disposons ici des sièges Advanced avec de multiples réglages, avec la sellerie cuir à 1 750 €. La planche de bord avec une surpiqûre rouge sur la finition sport est vraiment magnifique, avec des matériaux rembourrés, une ergonomie bien pensée. Et on trouve ici le GPS professionnel en option de 8,8 pouces, avec une fluidité des graphismes toujours aussi impressionnante. Et la possibilité d'accéder au Connected Drive, c'est encore une option. Donc ça permet d'avoir accès à une conciergerie, différents services et même des applications. Et comme vous pouvez le voir, la voiture a tout de suite reconnu que je disposais de Deezer sur mon téléphone et donc a fait le lien avec l'application. Sur la console centrale, on trouve une petite trappe pour mettre ses affaires, deux portes-gobelets, un grand accoudoir et un espace de rangement avec antidérapant pour le téléphone. Pour démarrer, il faut débrayer, ensuite appuyer sur le bouton et c'est parti. Alors le fait d'être assis haut, c'est agréable. Par contre, les montants sont quand même assez imposants. Allez, on accélère. Et le petit 3 cylindres essence ne manque pas de nerfs. Dès qu'on enclenche le mode sport, on a une bonne réactivité au niveau de la pédale d'accélérateur. On n'a pas du tout l'impression d'avoir un 3 cylindres. La direction est très bien calibrée, très précise. Là, on a vraiment la sensation d'être au volant d'une BMW. Ça fait la différence. Donc là, voyons, on est sur une petite route de campagne et on entend pas mal les bruits de roulement. Ça, c'est lié aux jantes de 17 pouces à profil assez sportif. D'ailleurs, c'est un véhicule qui est relativement ferme pour un monospace. Mais je dirais que c'est pas moins confortable qu'un Scénic. Et là, vous voyez, quand je prends un rond-point avec un petit lever de pied, on sent que le train arrière enroule très très bien. Comme souvent chez BM, la commande de boîte présente des débattements relativement longs, mais la pédale d'embrayage n'est pas trop fatigante. Maintenant, il est toujours possible d'opter pour une boîte automatique. Au final, on peut dire que ce Scénic de Munich est une réussite puisqu'il offre bien l'agrément de conduite d'une BMW. Côté pratique, évidemment, c'est pas aussi bien qu'un Scénic ou un Picasso. Il y a un petit peu moins de place à l'arrière et les équipements sont très coûteux. Le tarif aussi, mais bon, ça, c'est le principe des marques premium allemandes. Allez, à bientôt sur l'Argus.